Tout ce qu'on les ferme plus en décembre, on ferme là en fin novembre. Fin novembre, l'hôtel est fermé. Donc tu vois un peu. Dans le code, on ne peut pas. Là, les normes, même si c'est un nouveau ministre qui arrive dans un ministère, comment ça se passe? C'est vrai que l'autre ministre part. Tu vois, l'autre ministre part et les nouveaux arrivent. Mais on n'enlève pas tout le monde. On n'enlève jamais tout le monde. C'est dans ce sujet-là, en fait. Tu vois un peu. Mais chez nous, on a viré tout le monde. Tout le monde, en fait. Et tu vois, la plupart, ils ne veulent pas s'affigurer dans les photos parce que tu vois les réseaux sociaux d'aujourd'hui, en fait. Tu vois. Bon, je comprends d'autres et d'autres, je sais pas. Et puisque clairement qu'il y a trop des allos ici, c'est à cause de ça que j'évite. Quelqu'un comme moi, on est peut-être à deux là. Ouais, certes, mais moi je ne veux pas me mettre dans des réseaux. C'est juste faire passer l'information pour dire que non, voilà. Maintenant, pour manifester là, c'est ce qui est un peu compliqué. Parce qu'on manifeste, quand on manifeste, c'est mieux de manifester au moins peut-être à une scène. Même 15, 5 personnes à 6 personnes. Tu vois. Bon, là, par contre, c'est un peu compliqué. Bon, bien si c'est pas un machin. C'est juste pour faire fuiter l'information, en fait, que moi je voulais que tu fasses. Tu fais fuiter l'information, c'est tout. Parce que les médias, ils aiment ça, avoir des informations, la source d'information. Maintenant, s'ils veulent les détails, ils te demandent qu'ils veulent les détails. Voilà. Je peux leur donner les détails. Le truc, c'est qu'au départ, lorsque l'hôtel appartenait à Ali Bongo, c'est qu'on sait, c'est l'hôtel appartenait à Ali Bongo. Vu que Ali Bongo n'est plus au pouvoir, l'État automatiquement reprend l'hôtel. Bon, à un moment donné, l'information qui a été fuitée par le ministère de tourisme, que l'hôtel appartenait à Combessy. Et à Combessy a répondu que c'était faux, archi faux. L'hôtel n'a jamais appartenu à Combessy. L'hôtel appartenait à Ali Bongo. Donc, vu qu'on récupère tous les biens du chef de l'État, donc automatiquement l'hôtel redevient à l'État gabonais. Mais l'État gabonais ne veut pas dire que non, on doit licencier des employés et qu'on laisse l'hôtel à vide. Ou bien, ça ne veut pas dire que non, on licencie les employés et qu'on laisse, comment on appelle, on renouvelle les employés. On met des nouveaux, on enlève les anciens. Parce qu'on va dire quoi? Ceux qui ont travaillé, on travaille aussi avec Ali Bongo. C'est aussi le système d'Ali Bongo, entre parenthèses. Donc, tu vois que Onomo, c'est une chaîne panafricaine. Et leur contrat prend fin normalement en décembre. Ce qui était censé, le contrat d'Onomo devait prendre fin en décembre. L'État devait chercher un nouveau preneur, si l'hôtel Onomo continue ou pas. L'État devait chercher un preneur. Et si le preneur venait avec nous, les employés, parce que quand l'État arrive, ou bien un nouveau preneur arrive, il régale l'État de l'établissement, de la structure. Si, ah, il y a des travaux à refaire, ou bien les employés sont encore vieux, ou bien sont encore jeunes. S'il y a des vieux, ils envoient les autres retraites, et s'il y a des jeunes, on continue avec les autres. Tu vois, on enlève physiquement tout le monde. Et s'il y a les travaux à faire, lui, il fait le rapport que non, voilà, c'est que la structure que moi je comprends, c'est les travaux à faire. Ça me coûtait tant. Et ça continue à tourner. Mais nous, le problème, c'est que on a des réservations jusqu'au mois de, on va dire même 2025. Mais eux, ils ont des menaces que non, on coupe. Ça veut dire que non, on arrête de prendre des réservations. Donc, on ne prend plus les clients. Donc, on ferme complètement en décembre. Et avant décembre, donc novembre, là, on ferme. L'hôtel est fermé. On a bloqué des réservations, on a bloqué. Pourquoi? L'urgence, parce qu'ils veulent déclarer la crise. Tu vois, ils veulent déclarer la crise. S'ils déclarent la crise, ça veut dire qu'il n'y aura jamais les audits, il n'y aura jamais tu vois, des enquêtes et tout ça, parce que on comprend que ça ne marchait pas bien. Entre-temps, c'est le contraire. Aux yeux de tout le monde, l'hôtel fonctionne à merveille. En fait, c'est ça que je trouve. Tu trouves un sujet à bien expliquer. L'hôtel fonctionne à merveille. Pourquoi on ferme l'hôtel? On ne sait pas. Quel est le preneur qui doit prendre l'hôtel? On ne sait pas. C'est entre parenthèses. C'est tout ce qu'ils nous ont dit. On a licencié tout le monde. Tout le monde est licencié le mois de novembre. Ça prend fin. Tout le monde arrête. Entre-temps, le contrat de Nomo prend fin en décembre. En décembre, le contrat de Nomo prend fin. Donc, c'est là où, voilà, s'il faut fuiter l'information, il faut faire fuiter ça.
on se pose des questions pourquoi l'hôtel ferme. On laisse les enquêteurs se rapprocher et